Bien, autre chose à ne pas confondre complétive avec une relative. Nous l'avons déjà vu le problème avec la complétive complément de nom. Et essayons de voir pour bien saisir ce problème. Il écrit que tu vas envoyer une lettre. Voici deux phrases, hein, qui se ressemblent. Il écrit que tu vas envoyer une lettre. La deuxième, il écrit une lettre que tu vas envoyer. Bien, la première est complétive, bien sûr. Il écrit quoi? Que tu vas envoyer une lettre. La deuxième est relative, parce que ici, que est antécédent de lettre. Un autre exemple. La solution que tu proposes est magnifique. Et puis, la solution est que tu sortes de la classe. Donc, dans la première, la solution que tu proposes est magnifique. Il s'agit bel et bien d'une relative parce que est l'antécédent de la solution que tu proposes. Donc, tu proposes la solution est magnifique. Donc, c'est une relative. Alors que dans la deuxième, la solution que tu sors de la classe, là, il s'agit d'une complétive parce que le que ne remplace pas ici la solution et sert juste à relier la proposition principale à la proposition subordonnée. La solution est que tu sors de la classe. Bien, un autre exemple. Le cours que nous faisons est très facile. Et puis, je pense que ce cours est très facile. Donc, le cours que nous faisons est très facile. Il s'agit d'une relative parce que remplace le cours. Alors que je pense que ce cours est très facile, il s'agit d'une complétive parce que ici ne remplace rien. Puis, de toute façon, il y a le verbe. Donc, la relative, le pronom relatif ne peut jamais remplacer un verbe. Généralement, il remplace un nom. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous tromper parce qu'il s'agit ici d'une complétive. Puis, il y a dans la principale un verbe et non pas un nom. Je pense que ce cours est très facile. Il s'agit d'une complétive. Bien, c'est vrai que la confusion vient surtout de la conjonction que. Avec les autres éléments dans la relative, vous n'avez pas de problème, parce que vous avez qui, lequel, laquelle, on sait tout de suite qu'il s'agit d'une relative. Mais lorsqu'il s'agit de que, là, ça pose problème parce qu'ils se ressemblent. On peut avoir la conjonction que dans une complétive, comme on peut l'avoir dans une relative, c'est pour ça que ça pose problème. Donc, faites attention à ça. Bien. Mais bien sûr, si le que de la complétive n'a aucun sens et ne sert qu'à relier la principale à la subordonnée, le que de la subordonnée relative a une fonction et il sert à remplacer un antécédent. Et si dans l'exemple que nous venons de voir, il s'agit de l'élément, bien le mot cours, il remplace le cours que nous faisons. Voilà donc, même si les deux phrases se ressemblent, il s'agit dans le premier cas d'une relative. Alors que dans le deuxième cas, il s'agit d'une complétive. Avec cette même phrase, on peut obtenir également une interrogative. Il suffit de modifier le verbe de la proposition principale. On aura donc « Je me demande si ce cours est très facile ». Ici, on a une interrogative et non plus une complétive ou bien une relative. Bien, passons maintenant à la complétive infinitive. Jusqu'à maintenant, nous avons vu seulement les complétives qui se construisent avec la conjonction que. Exemple, je crois que j'ai bien compris. Il s'agit d'une complétive conjonctive. D'accord? Parce qu'il y a la conjonction que. C'est une complétive conjonctive, mais on peut la transformer en infinitive, bien sûr. Dans ce cas, on va dire je crois avoir bien compris. Donc, la complétive conjonctive peut être transformée dans certains cas en complétive infinitive. C'est possible, tout à fait possible, d'avoir une complétive infinitive ici parce que le verbe de la proposition principale est le même que celui de la subordonnée. Je crois, le sujet ici c'est je, et puis dans la subordonnée j'ai bien compris, le sujet également c'est j'ai. Donc, il y a identité du sujet. Bien, on peut avoir également
une infinitive lorsqu'un sujet a le même référent. On dit dans ce cas que le sujet dans les deux propositions sont coréférents, c'est-à-dire quand les sujets ont le même référent. Exemple, je lui ai ordonné de partir. Je lui ai ordonné de partir. Voir, je lui ai ordonné qu'il parte, ou bien je lui ai ordonné de partir. Donc, j'ai ordonné à A que A parte. Mais lorsqu'il n'y a pas de sujet identique, impossible ici d'avoir une construction infinitive. Je crois qu'il a bien compris, par exemple. Lorsque vous dites je crois qu'il a bien compris, impossible de la transformer en infinitive. Bien entendu, il y a des verbes qui n'admettent pas la complétive, qu'elle soit conjonctive ou infinitive. C'est le cas du verbe connaître. Vous ne trouverez jamais une complétive, par exemple, avec le verbe connaître. Ce qui veut dire que la complétive dépend, pardon, du verbe de la principale. Il en est de même pour la complétive infinitive, qui dépend aussi du verbe de la proposition principale. Et si des verbes tels que croire, connaître, pardon, reconnaître, nous avons dit connaître impossible. Reconnaître, oui, c'est possible. Donc croire, reconnaître, affirmer, etc., peuvent donner lieu à une complétive infinitive. Celle-ci est impossible avec d'autres verbes de perception, par exemple, tels que voir, constater, etc. Quand je dis il constate qu'il se trompe, impossible d'avoir, il constate se tromper, ça serait incorrect. Bien, les constructions, bien sûr, infinitives ne concernent pas uniquement les complétives, ça peut concerner aussi les relatives. Exemple, le matin, il entendit les oiseaux qui chantaient. On peut avoir le matin, il entendit les oiseaux chanter. Ou bien encore, il regarda les voiles qui s'abaissaient vers l'horizon. On peut avoir au niveau de l'infinitif, les voiles s'abaissaient, donc il regarda les voiles s'abaisser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À la fin, vous trouverez quelques petits exercices que vous allez essayer de faire, si vous voulez, en faisant arrêt sur image ou bien capture écran, comme vous voulez.